Alors du coup, test micro. Test 1, 2, 1, 2, test 1, 2, 1, 2, 1, 2, test micro. Est-ce qu'il marche très bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Je ne sais pas, je ne vois même pas s'il y a du monde sur le live. Il va falloir attendre 2-3 secondes. Ok, donc c'est nickel et salut Lenamoun. Comment vas-tu? Bon, du coup, aujourd'hui on commence la campagne. Enfin, on continue et termine certainement la campagne parce qu'il me semble que c'est la dernière zone. On t'entend pas trop. Ah bon? Ah, bah écoute, moi je m'entends nickel. Hein. Moi je m'entends nickel, je sais pas si c'est normal. Et bah écoute, ouais, ça va tranquille. Hein. On continue, on avance. Hein. Ça va nickel. Du coup, moi j'ai chopé un peu de sous entre les deux lives. Hein, vous voyez, je suis à 3 500 000, ça augmente. Oui, effectivement, si on termine la campagne, on partira en théorie du chaos pour débloquer 2-3 espèces vers le bac à sable. Donc, déjà, faut que je regarde les cryos. Donc, ça, c'est l'espèce qu'on avait chopé la dernière fois. Très jolie. Perso, j'aime bien sa petite crête, c'est assez marrant. Et du coup, nous, on va continuer parce qu'il faut augmenter. Alors, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par aller chercher une bestiole. Je ne sais pas. Il y a qui? Les allosaures, c'est non, on les a déjà. Moi, je fais Jurassic Park et Jurassic World. Oh, je ferai tous les théories du chaos, perso. Si je peux augmenter, parce que je suis pas synchro du tout avec le live. Voilà. Donc, du coup, il nous reste quoi? Dilophosaure, Erérasaure, Metriacanthosaure, Troodon et Albertosaure. Alors, tous ceux-là, on les avait déjà dans le 1, il me semble. Oui, on les avait déjà dans le 1. Donc, on va aller choper les Troodon parce qu'ils sont beaucoup. Ah, va peut-être falloir gérer les deux autres qui sont en crise de panique. Ça, j'aurais dû le faire en live. Mais, du coup, elle est où la RH? Est-ce que j'avais fait un bâtiment de RH au moins? Ah non, j'avais ni fait de centre de contrôle ni de centre de RH. Nickel. Centre de contrôle. Voilà, déjà les ressources humaines, très important. RH, bien évidemment, c'est le truc important. Voilà. Et il nous faut du coup un centre de contrôle qu'on va foutre là. Donc ça c'est un peu le coin bâtiment. Et après on fera des enclos un peu tout autour. Ça me paraît pas mal. Du coup on va se dépêcher de faire ça. Ouh les Troodon, c'est vrai qu'ils vont arriver. Peut-être faire un petit enclos. Pas forcément le coller. En vrai je ferais bien passer une route entre les deux. On va tester. Alors, c'est une petite espèce donc je vais pas faire un truc trop grand. Je pense que là c'est pas mal. On va mettre un générateur de secours vivement qu'on ait autre chose que ça. Attends, sachant qu'on va s'étendre par là, je vais le mettre là. Tu vas voir le Mosasaur, il coûte grave cher, il donne énormément de points. De notes. Ok, d'accord. Bah merci d'info. Du coup ça va se faire tranquillou. Il va falloir. Des galeries panoramiques, une de chaque côté d'enclos, ça ira très bien. Voilà. Ensuite, la route, j'ai essayé de faire un truc propre pour une fois. Voilà. Quand je dis propre, ça veut dire dégueulasse. Est-ce qu'elle peut passer discrètement là?
Ouais, nickel. Alors ensuite, il y a celle-là à relier. Voilà. Donc, ensuite, il va falloir une chèvre, certainement. Donc, de l'eau. Ça, voilà. Ensuite, on met une chèvre, voire même, je pense peut-être, si j'arrive à en placer deux, ce sera pas mal. Voilà. Et je pense que l'enclos est prêt. Ah non, j'ai oublié un truc, j'ai oublié un truc, j'ai oublié. J'ai oublié le truc le plus important. Alors, il y en avait 8, ils en ont chopé 8. Nickel. Alors, on va les faire apparaître un peu dans l'enclos, ce qui nous permettra qu'ils aient tout le territoire directement. Encore un, voilà. Le truc important des enclos, ça. On va le foutre là. Voilà. Et on va y assigner notre petite équipe de garde. Ensuite, je voulais aller voir dans les recherches si on n'a pas des trucs à faire. Genre là. Qu'est-ce qu'on a? On a recherche bloquée nécessaire dans sciences des centres. Un centre des sciences opérationnelles. Eh ben. J'ai pas de centre des sciences. Bah, il va en falloir un, hein. Centre des sciences. On le met où? On le met là? Il rentre là, logiquement. Ouais, il rentre. Nickel. J'attends aussi de voir si les autres espèces marines, parce que je sais qu'il n'y a pas que le... Comment il s'appelle le... Qu'est-ce... Pourquoi leur territoire est là-bas? Ah bah, il n'y a pas que le Mosasaur, et heureusement. Ah, ils sont beaux. Ils sont beaux. Ça me rappelle des cauchemars sur Ark, mais ils sont quand même magnifiques. Contrôle de routine requis, bah oui, bah viens le faire ton contrôle. Il y en a 7 je crois. Faudra que je regarde effectivement. Du coup moi je vais faire ça. On va mettre lui et lui. Bon en fait non. Toi tu peux partir, voilà. Hop. Et ensuite, faut aller ici, dans les employés. Voilà, congé, congé. Niveau recherche, on est bon. Et niveau fossile, on n'a pas. Alors ensuite, on va aller chercher qui? Bah, on va aller chercher personne. Parce qu'on n'a pas ce qu'il faut. Tout le monde est occupé. Du coup, on va accélérer, voilà. De garde à 1 ne parvient pas, mais si, non, mais ah, j'ai, je me disais bien que j'avais oublié un truc. S'il n'y a pas de porte, ça va pas aller. Du coup, faut se dépêcher par contre de faire le contrôle de routine. Hein. Faut pas le faire dans 107 ans. Il y en a un qui ressemble beaucoup au Mazazar. Oui, ça doit être. Je crois qu'il y a le Diopleurodon dans le jeu, donc ça doit être le Diopleurodon. Les morts juste des semaines marines. Non, mais c'est juste que c'était les grands absents du premier Jurassic World et pourtant il était dans le film. C'est tout. Bon, après, bien évidemment, il y avait d'autres grands absents, les volants, il y avait juste le Terra. Et encore, c'était dans un DLC payant. Donc, non, je suis bien content hein, qu'ils aient rajouté ces petites espèces-là. Je crois qu'il y en a pas mal de nouvelles quand même. Hein. Faudrait que je regarde dans. Vu que je me rappelle à peu près tous les dinos qu'il y avait dans le premier jeu, je devrais pouvoir vous dire qui sont nouveaux. Du coup, sinon vous, qu'est-ce qu'il vous faut? Un tout petit peu plus de forêt. Tout petit peu plus de forêt. Ça date forêt. Voilà. Voilà, c'est nickel. Alors, je vais regarder ça de suite dans les dinos, dans les génomes. Alors... Lui, la Margazor, il y était pas. Lui, je sais pas son nom, il y était pas. Lui, il n'y était pas non plus. Lui, il y était. Eux, ils y étaient. Le Compi, il y était. Le Cryophosaur, il y était pas. Le Coelophysis, il y était pas.
Le Dimorphodon n'y était pas, bien évidemment. Ça, je sais pas ce que c'est, mais je crois qu'il y était. Lui n'y était pas. Lui non plus. Les hybrides. Iguanodon, ça y était. Lui n'y était pas, lui n'y était pas. Ça doit être Dioplérodon. Ce truc-là, ça doit être Eugénosaurus, peut-être, qui n'y était pas. Lui, ça doit être pas Chirinosaur, qui n'y était pas. Ou alors c'est un Azutoceratops, je sais pas trop. Lui n'y était pas. Ah, c'est lui le Pachyrhinosaure. Donc lui, c'est le Nasutoceratops s'il y était. Le Pachyrhinosaure n'y était pas. Le Pteranodon n'y était pas. C'est lui le Cujin. Donc lui, je sais pas ce que c'est. Mais c'est lui le Cujinosaurus, ça se voit. Lui n'y était pas. Eux y étaient. Eux y étaient. Lui, il y était pas. Ça, j'arrive pas trop à savoir ce que c'est, donc je saurais pas dire. Lui, il y était pas. Lui non plus. Et le Tropeo n'y était pas non plus. Voilà. Et ça doit être un styracosaure, mais que moi j'avais pas vu que c'était la version premium. Mais il y était dans le 1. D'ailleurs, en parlant de dinosaures, on n'a pas regardé dans le dernier live les films. Donc lui, c'est à partir de Jurassic Park 3, il est partout. L'allosaure queue dans Fallen Kingdom, le Baryonyx queue dans Fallen Kingdom, le brachiosaure dans le 1, le 3 et Fallen Kingdom. Chasmosaure, il y est nulle part. Carnotaur, il est dans Fallen Kingdom. Criolo et Deinonychus. Alors, Deinonychus, je vais encore me répéter, mais le raptor de Jurassic Park, c'est un Deinonychus. Donc, techniquement, il était présent dans tous les films. Mais il était présent sans l'être, en gros. Dimorphodon, il est dans le 1. Lui, il est dans Fallen Kingdom. Non, lui, il est nulle part, Diplodocus. D'ailleurs, ça m'étonne. Le Parasaur, il est dans tous les films. Peut-être même le prochain qui sort. Alors, des Pteranodons, apparemment, il y en avait dans Lost World. Je m'en souviens pas, personnellement, de qu'il y était dans le deuxième film. Bon, lui, dans Fallen Kingdom. Le Stego, dans... Il était pas dans Jurassic Park 3, Stego. Oh. Le Taurosaure, il y était nulle part. Le Triceratops, il est dans tous les films. C'est un classique. Le Troodon, il y est nulle part. Salut Andy, eh bah ouais, ça va nickel, ça va nickel, et toi? Et lui, bien évidemment, il y était nulle part. Bah on a fait le tour, hein. Eux, ils sont dans tous les films. Du coup, on en était où? Ah oui, donc eux, ils sont en train de s'approprier la zone, les autres scientifiques qui dorment. Il y aura un autre film. Oui, en juin-juillet 2022, je sais plus trop, il y a Jurassic World 3. Alors du coup en anglais c'est Dominion et du coup en français ça doit être Domination. Ils ont traduit un titre qui aurait pu être vachement stylé en restant anglais. Hein. Jurassic World Dominion, c'est vachement bien. Jurassic World Domination, voilà quoi. Alors que Fallen Kingdom, ils auraient pu l'appeler Royaume des Fus. Ça c'était stylé. Domination, moyen moyen quoi. Contrôle de routine Rocky, non, il n'y a pas besoin de contrôle de routine, confort à 100% des 1, ça veut dire que le confort est à 100% de l'autre. C'est ma devise ça. Bon, allez, troisième enclos, de toute façon on a les sous pour se permettre à ah, punaise de crotte de biquette. Sans électricité, bah oui, bah 2 secondes. Mais où c'est? Attends, où c'est que j'ai foutu une pause électrique? Donc en fait non, il sera pas là le prochain enclos. Non, non, ça dégage, allez. Allez, ça dégage. On va le mettre ailleurs. On va le foutre là. Ça me paraît bien là. Des fois, c'est mieux de garder la langue d'origine. Oui, bah Dominion, c'était stylé. Domination. Je suis moyen, moyen pour. Que le Royaume des Fus, ça m'aurait pas dérangé. Hein. Royaume des Fus, c'est stylé. Fallen Kingdom aussi, bien évidemment. Hein. Mais Royaume des Fus, c'est stylé. Domination. Au Québec, j'aurais compris, puisqu'au Québec, ils changent toutes les langues. Enfin, ils changent tous les titres. Mais en France, ils auraient pu laisser Dominion. Ah non, là, je suis un petit peu déçu du titre. Mais bah, j'espère que ce sera quand même un bon film. Hein. De toute façon, j'irai le voir dès qu'il sera dispo. Hein, on parle quand même d'un Jurassic Park, c'est-à-dire un des trucs les plus mieux, moins bien parlé France.
Attends, l'autre galerie, on va foutre là. Ça me paraît bien, comme ça l'espace couvert est quand même assez intéressant et fait tout l'enclos s'il n'y a pas les arbres qui gênent. Oh, hop, voilà. Alors du coup, est-ce qu'on va réussir à passer une route ici? C'est faisable. Alors par contre, c'est le retour des routes what the fuck, hein, mais au moins c'est... J'ai réussi à foutre une route. La porte est mise, l'enclos est presque prêt pour accueillir la prochaine espèce. C'est nickel. On va juste mettre de l'eau. Comme ça, là, tout autour contrainte du terrain. Ah! Allez, reliez-vous, reliez-vous, s'il vous plaît. Reliez-vous! Oh. Voilà, ça c'est chiant, c'est qu'on peut pas modifier ici parce que c'est hors map. Alors que c'est techniquement c'est pas tout à fait hors map, hein, c'est... Ah si, là si. Là-bas il y a peut-être moyen de modifier vu que c'est... bon, c'est espace sauvage, hein, mais... C'est très grand. Du coup ça c'est bon, on a mis d'eau, on va virer un peu de forêt parce que ça me paraît énorme ce qu'il y a. On va déforester, voilà. C'est nickel. Et ensuite, on va aller chercher à la prochaine espèce. Donc, on a dit pas allosaure. Qu'est-ce qu'on fait? Erasaur, Dilophosaure, Maitreya ou Alberto? J'ai oublié à quoi il ressemblait l'Albertosaure. Ok. En vrai, je vois bien des Erasaur. Quoique, c'est quand même un grand enclos, donc j'aurais pu se dire Maitreya. Allez, on prend les Maitreya. Alors, on va emmener toi. Voilà. Tu vas me chercher deux Maitreya. Et niveau recherche. Peut-être débloquer des clôtures un peu mieux. Voilà, clôture un peu mieux. On avance. D'ailleurs, les Maitreya, en fait, ils pourraient peut-être aller avec eux, là. Ils pouvaient aller avec vous? Ou pas du tout? N'aime pas les carnivores, aime les compis. Oui, ok, bon bah non, ils pouvaient pas aller avec eux. Au moins ça mérite d'être... Il y a une chèvre. Il y a une chèvre qui court. Ah. Une recherche de fête. Bon là je fais clairement les recherches juste pour y avoir accès plus tard dans le mode créatif. Hein. Clôture électrique grande. Faut 9 de points de recherche. Bah allez, hein. Tous les scientifiques, allez-y. D'ailleurs, est-ce que je peux pas en recruter des nouveaux? Non. Je peux pas en recruter des nouveaux, ils sont tous en recherche ou capture. Toi, va falloir peut-être bientôt prendre une pause. Je vous ai pas montré d'ailleurs l'animation de chasse des cryos. Elle est magnifique. Bon, là, ils jouent entre eux. Y a pas moyen de voir l'animation de chasse là. Ah, chasse! Oh, attends. Ouais, il a pris en chasse la chèvre et là elle est foutue. Hein. Il va faire une accélération, voilà, et bam, bam, mort de la chèvre. Et on mange la chèvre. Nickel, hop, il y a des recherches qui ont été terminées. Donc on va aller dans les maladies peut-être. Non, mais ça se débloquera dans les bâtiments. Ça, c'est quoi ça? Amélioration des bâtiments pour augmenter leur efficacité. On va prendre ça. Il faut quoi? Il faut 4. Allez, toi, vas-y. Et d'ailleurs, attends, ça veut dire que je peux booster mes scientifiques? Pas du tout. Pourtant, j'ai débloqué le. Ah oui, non, formation niveau 2, niveau 2. Ok, non. Recherche, capture. Ah, les Maitreya. Alors, est-ce qu'on a chopé les 3? Ah, on a chopé que 2. Alors, on va éviter des foutres avec les cryos. Ça serait con. On a chopé que 2. J'espère que ça va quand même aller niveau confort. C'est le truc qui me fait un peu peur. Alors, voyons voir. Oh, ils sont beaux. Oh, il y a des petites taches vertes. L'autre aussi? Ah oui, on dirait qu'ils ont été irradiés. Niveau confort, bah niveau confort, je sais pas. Hein. Ils aiment bien les allosaures.
Ah ouais? D'accord, ils aiment bien les allosaures. Bah du coup, on amènera peut-être des allosaures quand on aura débloqué toutes les espèces pour aller avec eux. Bon, est-ce que la voiture a scan là? Ouais, j'ai rien à changer. Ouais, deux, ça suffit. Bon bah c'est bien. Du coup, on les a débloqués en créatif, eux, et puis eux, et eux. Donc on va faire le prochain enclos là, je pense que ça pourrait être pas mal. Ici, on a un bel espace. Bon là, je speedrun un peu, mais... parce que je veux quand même finir la campagne aujourd'hui. Hop, je me suis foiré. Ça fait un truc bizarre, mais c'est pas grave. Je veux quand même ouais finir la campagne aujourd'hui, ce serait pas mal parce que je sais que c'est la dernière map. Donc dans tous les cas, ça sera fini facilement. Il y a des arcs qui viennent pour voir là-bas. Ok. Dans tous les cas, on est sûr de la finir aujourd'hui. Enfin, sauf si par ma main malencontreusement je dois arrêter le live ou j'ai ou ça prend trop de temps, mais ça devrait quand même pas arriver logiquement. Je préfère quand même speedrun vite fait. De toute façon. On va essayer de choper quand même toutes les espèces qu'on n'a pas en créatif. Ce qui veut dire... qu'il va me falloir d'ailleurs une nouvelle équipe de garde parce que ça va pas le faire ça. On a déjà 4 enclos, si on en a un petit peu plus ça va être comme en Pennsylvanie, on est mal. Pour débloquer il faut quoi? Amélioration de véhicules supplémentaires. Ah ça c'est bien. Pôle prérequis, amélioration de véhicules. C'est ça. Pôle prérequis, amélioration de vigilance météo. Pôle prérequis, amélioration des coûts. Amélioration des coûts. Est-ce qu'on aura cette scientifique? Je suis pas sûr. D'ailleurs, elle va être en attaque. On peut commencer deux recherches simultanément. Oui, mais alors 4 sur 9. Ah, j'ai plus de scientifique là. Bon. Bah on va laisser faire hein. Je sais pas ce qu'il y aura dans cet enclos. Faudrait que je regarde un peu sur la carte. Je crois qu'il nous reste ces 10 lots, les Erasers. À voir ce qu'on met. Hop, un petit peu de place pour que la voiture puisse venir. Ensuite un petit peu d'eau. J'ai dit petit peu, j'aime pas les grosses flaques d'eau. Voilà. Hop. J'aime bien. Ensuite, formation, ça va être nickel. Il faut une chèvre. Voilà. Amélioration. C'est-à-dire que je vais pouvoir augmenter les compétences de 3 de nos scientifiques. Toi, tu vas en congé. Et vous, je vais vous former. T'as combien de points, toi? T'as 2 points et toi, 2 points. On avait dû te prendre pour ton bien-être. Donc, on va te mettre un point en bien-être et un point en logistique pour pouvoir faire des trucs facilement. Pareil pour toi, on va te mettre un point en logistique. Ouais. Hop, voilà. Et toi, bah t'es bien partout. On va te mettre en bien-être, je pense. Quoique bien-être, on a un très bon bien-être ici. Elle est équilibrée comme... Enfin, les deux là sont équilibrés. Ce qu'il nous faudrait... Ouais, c'est de la génétique. Donc toi, on va te mettre ton point en génétique. Toi, t'as un point de formation. Bah, je vais te mettre en bien-être. Hein. Écoute, voilà. Et du coup, ouais, toi, on te mettra en génétique. Les recherches. On va pouvoir en relancer. Il faut là-haut pour les voitures. Donc, je vais faire les recherches maintenant. Ce sera fait. C'est vrai qu'on voit qu'on a besoin quand même de logistique plus que 4. On commence à avoir un peu de sous. C'est nickel, c'est nickel. Amélioration de vigilance météo. Je sais pas à quoi ça me servir, mais c'était pour la voiture, donc... Pôle prérequis en haut. Alors là, du coup, il faut 9.
On va faire une recherche et après, promis, t'iras en vacances. L'autre a bientôt fini ses vacances, ça? Je sais pas. La contrariété des scientifiques augmente au fur et à mesure qu'ils terminent les tâches. Faites appel à des scientifiques avec une contrariété élevée pour effectuer les tâches sur la caractéristique en colère, ce qui réduit leur efficacité. Quand elle est congée régulièrement. Ah, est en colère. Qu'est-ce que tu me racontes? Ah, lui aussi. On va avoir un souci là, c'est qu'on a plus de scientifiques. Les trois, on vient de les foutre en congé. Donc l'autre devrait revenir rapidement, j'espère. C'était pas. Peut-être pas la meilleure chose de tous les avoir mis en même temps. Vers vous. Ah, faut recharger le carburant et la bouffe. Encore des thunes en moins. Les générateurs électriques d'ailleurs, on en est où? 80 sur 300. On va remettre, voilà. On en profite pour tout remplir, hein, là qu'on peut que tous nos scientifiques soient en pause. On a que deux générateurs, ouais. Bientôt un troisième par là. Les scientifiques, là, il va falloir la deuxième voiture avant de faire autre chose. J'espère que une seule scientifique suffira. Non. Il m'en faut au moins deux. Ah, d'ailleurs, je vais t'augmenter tes points. En logistique, on a dit, parce qu'on a besoin de monde en logistique. Vous êtes tous niveau 3, c'est bien. Vous êtes. Bon. Il me faut encore un scientifique qui se repose. Pour relancer la recherche et envoyer nos amis chercher de nouvelles bêtes. Logiquement, voilà, ils sont tous finis de se reposer. On va les envoyer en recherche pour le véhicule supplémentaire qui sera du coup débloqué en créatif. Plus un emplacement 1. Ah ouais, centre de réaction, véhicule supplémentaire, centre paléomédical, véhicule supplémentaire. Donc, on va mettre toi. Et toi? Et j'aurais bien fait les formations, ça coûte 8 sur 12. Ça coûte 12, donc ça va être cher. Par contre, je peux envoyer quelqu'un en expédition me choper l'Albertosaure. Ok, faut envoyer les deux. Faut pas qu'on dépasse trop les 3300 si on pourra pas choper les deux autres espèces. Donc j'essaierai de faire en sorte qu'il y ait une espèce à 79% de confort. Oui, c'est traître. Par exemple, lui, il est limite en forêt. Bon, on va lui en retirer. Non, non. 79, 78, voilà, comme ça on est sûr qu'il remonte pas. Je sais, c'est pas bien, mais à mon avis, la quête suivante, ce sera du 80%, tout le monde. Donc, je préfère faire ça. Ah, véhicule supplémentaire. Protection contre les orages, équipe de garde supplémentaire. Nickel. Ah, l'Albertosaure. Il ne s'est pas évadé, c'est bien. Viens là. Et attention. Moi, je veux juste voir ses bras. Est-ce qu'ils sont bien ou pas bien? Ouais, ils ont l'air bien. Le modèle a pas l'air d'avoir trop changé. Bon, faut son scan de routine. Pour être sûr qu'il soit content. Ses motifs, par contre, sont très jolis. J'aime bien. La voiture, elle fait quoi? Ah, l'enclos est peut-être un peu petit pour lui. Toi, tu vas où? Troudon. Non, pas les troudons. Pas les troudons. Non, pas les troudons. L'Albertosaure en priorité des troudons, ceux qui vont bien. Faut que je dise ça pour qu'il y en ait un qui soit malade. Non, mais après, si le jeu me veut des noises, voilà. Manque de rochers et lui aussi est malade. Manque de rochers et de sable.
Donc pour le sable, on va mettre une belle grande zone ici. Voilà. Et pour le rocher, on va le mettre là. Voilà, comme ça. Et on va mettre directement des rochers comme celui-là. Voilà, c'est bon, c'est nickel. Alors par contre, pathologie non diagnostiquée. Alors le premier véhicule va venir voir lui. Ensuite, je vais mettre le second véhicule. Et on va te mettre toi. Voilà, c'est parti, allez voir. Moi, je veux juste voir aussi l'autre amélioration à la plaie. Permettre d'assigner deux tâches et points de patrouille supplémentaires à chaque véhicule. Pour ça, il faut l'emplacement d'amélioration supplémentaire. Il me semble que j'ai débloqué ça, l'emplacement d'amélioration supplémentaire. Ça doit être là. Emplacement d'amélioration sup. Bah, on fait ça, hein. On envoie nos meilleurs scientifiques. Et allez-y, hein. Franchement, allez-y. Faites cette recherche. Moi, je veux juste voir ce qu'ils ont. Alors, lui, il est blessé. Il a une. Donc, téléphone. Et ça sonne en plus! Mais c'est quoi ça? Mais c'est trop bien! Les objets perdus de l'étestrel des sommets d'un dinosaure est situé au propriétaire ou à ses proches. Livré à l'établissement ennemi et transféré dans un établissement paléomédical. Mais c'est trop bien! Il a un téléphone dans le ventre! Ah, par contre, l'autre est malade. Ça, c'est moins bien. Qu'est-ce qui. Il a la rage. C'est un problème ça s'il a la rage. Qu'est-ce qu'il faut? Faut prendre une photo. Prends une photo. Non, non, non. Non. Problème. 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 Alerte rouge, problème. Non, c'est bon, il a arrêté de taper. Après, c'est bon. Ouais, non, c'est pas. Photo. On zoome, on le voit, il a la rage, lui. Ah, et on voit le maître à côté. Recherche terminée, rage traînement par fléchette. Bah, du coup, voilà, soigne-le. Parce que ce serait con d'avoir une épidémie de rage quand même. Allez, toi, on va te transporter au truc médical juste là. Et on va te virer le téléphone. J'aurais pensé jamais dire ça un jour, hein. On va te virer le téléphone de l'estomac. Et du coup, logiquement, je vais mettre planification des tâches ou une nouvelle équipe de garde. Tes sources de rage ont été éradiquées. Nickel. Nickel, nickel. Alors on va finir quand même les recherches avant de changer de zone, comme ça sera débloqué en créatif. Voilà. Et donc l'autre il est en train d'être transporté. Dépêche-toi. Sans le malmener, dépêche-toi mais le malmène pas. Voilà. On va voir l'opération de sauvetage, de retrait de téléphone. Ah, traitement terminé. Ouais, il avait une. Ouais, il avait un téléphone dans le ventre, quoi. C'est pas une blessure. Une blessure trop grave. C'est même pas une blessure. Du coup, on a dit que toi, j'aimerais bien t'augmenter ta logistique, voilà, un niveau partout. Toi, je peux te mettre qu'un niveau, bah on va mettre en génétique. Toi, on va t'augmenter un niveau partout, voilà.
Et toi, bon, on va t'augmenter aussi un niveau partout. Voilà. Nickel. Donc, la recherche. Ici même. Qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque ça. Faut 12 points. 14. Voilà. Et dans les maladies, qu'est-ce qu'on a? Traitement pour la rage. Il n'y a pas un truc. Et une fois qu'on aura fait ça, on pourra prévenir les futurs cas de rage, de tuberculose, de cryptosporie, machin. Et de la variole aviaire. Oh, c'est bien ça si on peut se protéger de ça. Allez. On fait les recherches et on va chercher des nouveaux dinos. Je sais pas si je fais l'enclos là ou là, mais là faudrait que je remette un générateur en fait. Donc pour l'instant je vais le mettre là, je pense. C'est parti. Alors du coup moi je vois bien le truc genre comme ça. On va prendre tout le lac. Ce sera un très grand enclos. Pour les Erasers ou les Dilophosaures. Oui, c'est des petites espèces qui ont un enclos immense. Hop. Non, pas un abri d'urgence. Hein. Pour l'instant, on n'a pas besoin d'abri d'urgence. Hein. Si des gens y décèdent, on n'est pas responsable. C'était bien marqué à l'entrée, on décline toute responsabilité en cas de mort. Et toi, faire un. En fait, fais ce contrôle de routine là et celui-là. Comme ça. Attends, c'est le poste combien ça? Le poste 4. Donc toi, tu seras plus affecté au 4. Voilà. Nickel. Bon alors du coup on va continuer ce parc. On continue, j'ai dû faire un petit truc. Donc les recherches c'est terminé, par contre ça veut dire que les scientifiques peuvent être formés à nouveau. Bah toi écoute, on va te mettre un niveau partout et un niveau en logistique en plus parce que c'est ce dont on a le plus besoin. Hop, et bah toi tu peux pas faire mieux, voilà comme ça. Toi, attends, formation niveau 5. Toi, on va te mettre là, là, là. Donc là, t'es au maximum. Et toi, on va te mettre 4 points. Donc bah, tu vas être aussi au maximum. Nickel. Là, on a des gens de compète. Donc. Du coup, on va aller choper les dilophosaures. Chut! Bon, attendez. Bien évidemment, j'ai on-off, c'est con. Du coup, faut que je vérifie. Désolé. Bon, du coup.
On reprend. Donc là, ils sont tous en mode ouais, c'est la guerre. Bah attendez, toi, tu vas chercher les Diophosaures. Et les autres prennent des congés. Congé, congé, congé. Voilà. De confort, oui, nickel. Beau, lui. Ah ouais, vraiment beau. Et il n'y a plus de téléphone qui sonne. D'ailleurs, j'ai regardé pourquoi. Attendez, bâtiment paléobotanique, pathologie, voilà. Blessure, griffe cassée. Les griffes cassées surviennent généralement lorsqu'une griffe reste plantée dans le sol et peut provoquer un inconfort et entraver le déplacement du dinosaure et le rendre ainsi vulnérable aux attaques de prédateurs. Ingestion d'objets. Ingestion de téléphone, va. L'ingestion d'un téléphone peut avoir des conséquences extrêmement graves sur la santé des dinosaures. Les plus petits sont susceptibles de s'étouffer, tandis que les plus grands s'exposent à une intoxication aux métaux lourds. Après son extraction, l'appareil peut être restitué à son propriétaire. C'est trop bien. Enfin, non, c'est pas bien qu'il bouffe des téléphones, mais. Enfin, vous m'avez compris. Bon, là, on va pouvoir bientôt terminer cette zone. Et donc passer sur la théorie du chaos au prochain live. C'est dommage qu'on n'ait pas accès à l'espace sauvage. Parce que bon, ça ferait une zone territoriale gigantesque. Si Lilo, dites-moi qu'il n'y en a qu'un seul qui s'est barré. Oui, j'aurais dû dire qu'il n'y en a aucun qui se soit barré, mais... Hop. Et les autres sont... ont fini leur congé, ben... Bah va en congé du coup. Pour l'instant on n'a pas besoin de toi. Fais voir. Oh, contrôle de routine. Toi t'es à la base. Qu'est-ce que tu fais à la base? Tu dois aller contrôle de routiner les didos. Oui, moi je parle bien à la France. Si je ne m'abuse, l'enjeu est réellement de taille, cette fois. Et je ne m'abuse jamais. Nous sommes sur le point d'établir une relation nouvelle avec les dinosaures. De révolutionner le monde, car nous sommes capables de mieux comprendre le passé. Alors, pas une photo, non. Nous essayons de tirer un trait sur ces incidents. Pourquoi si il veut que j'analyse l'Albertosaure, moi ce je vais ne sont analyser. pas des incidents, seulement des causes inexplorées. Oh merde, ils sont Notre tous malades. erreur, celle de l'humanité, Ah, consiste à croire ils ont que nous la voulons rage. connaître la vérité, C'est alors un que le souci, mensonge et c'est nous surtout qu'ils ont suffit besoin amplement. d'une proie. Ces dinosaures Que j'ai pas génétiquement mis, bien modifiés évidemment, et de ne sont forêt. pas aussi authentiques qu'on aimerait bien le croire. Nous manipulons et croisons des chiens, des chats et du bétail depuis des années. Pourquoi? Pas pour répondre à leurs besoins, mais pour satisfaire les nôtres. Et vous pensez que c'est ce que nous faisons? À vous de me le dire. Tout Ok, contact, il va aussi falloir juste un tout fugace et petit peu plus réfléchi de forêt. soit-il, induit des changements. N'est-ce pas? Docteur Doua, éclairez-nous. Pour l'heure, bon, nous devons faire 96% ça me avec. va. Notre Par mission, contre, ma souci mission, majeur, on a consiste une à veiller à ce épidémie. que ces animaux soient bien traités. Quant au reste, advienne que pourra. Oui, c'est très chaotique de votre part. Et je vais réapprovisionner en carburant. Du coup, la maladie est en train d'être gérée, je vais aller aider. Le premier véhicule qui va, moi j'y vais aussi. Purée, dégage la voiture. Va faire tes contrôles de routine, moi je vais aller soigner les dinos. Inoculation de la rage, nickel. Il aurait fait que ce soit avant. Parce que bon, là c'est bien sympa, mais bon, la rage, regardez ça. Non, c'est quoi? Non, c'est fusée éclairante. Non, c'est soigner, oui. Ah bah, j'aurais été très utile, moi. Ils ont failli péter une clôture quand même. Bah répare, hein. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Ah, ok. Du coup, on va aller choper la dernière espèce et puis on va mettre tout le monde à 80. Est-ce que un enclos ici, on peut se permettre de mettre des grosses clôtures pour voir la différence. Les Zerirazor devraient être contents dans un enclos comme ça. Voilà, on pense à la porte. Donc on met là. On pense au point intérieur qu'on met là. On pense
à l'affecter au véhicule 2. J'ai dit on pense à l'affecter au véhicule 2. Bon, afficher les patrouilles. Dinosaure 1. Aucune équipe de garde affectée. Bah oui, mais bon. Moi je veux bien, mais je peux pas affecter l'équipe de garde. Donc, on va te déplacer là. Et là, c'est bon, je peux t'assigner l'équipe de garde? Non. Bon, bah on fera les contrôles manuels. Du coup, il faut. Ça, c'est chiant ça. Alors, hop, mangeoire à pas vivant. Et de l'eau. De l'eau en petit rayon, voilà, qui fait le tour comme ceci. Voilà, ensuite on envoie l'expédition chez les Erezazar. Voilà, on va envoyer toi parce que de toute façon maintenant vous êtes tous à peu près bons. Et du coup ça va être fait, et ensuite j'aimerais voir si les recherches ont été totalement effectuées. 11 sur 11, oui. Et du coup, la tuberculose, traînement par fléchette, on est bon. Par contre, en cas de cryopso machin, on n'est pas bon. Donc, vas-y. Et base de données, Jurassic World, il y a quoi comme nouveau dino là-dedans qu'on a pas vu? Alors, l'Albertosaur, présent dans aucun film. Le Maitreya, dans aucun non plus. Il y avait des Maitreya dans Jurassic World 1? Oh, je savais pas. Je m'en veux de pas savoir ça. Qui d'autre qui est. Bah, ça me paraît bon. Non, il y en a encore un, il y en a encore un. Qui que c'est que j'ai pas vu? Pterassi, j'ai vu. Piscivore. Ah, Dilo, dans le 1. Que dans le 1. Ça, je m'en souvenais pas qu'il était que dans le 1. Je pensais qu'il était peut-être dans le 2. Non, bah non, non, mais c'est totalement con. Non, c'est vrai qu'il est pas dans. Qu'il est dans que dans le. Bon, aucune patrouille de garde. Bah oui, mais bon, forcément, si tu me laisses pas la mettre. Ah, voilà. Voilà. Ah, le temps. Mais temps x3 quand même. Donc, ça me paraît bien. Faudra peut-être ajouter quelque chose. Je sais pas encore quoi. À moins que les Erezazar puissent cohabiter avec eux, mais ça m'étonnerait. Faudrait que les compis, c'est tout, il aime pas les carnivores. Et lui, ça va être pareil à tous les coups, compis. Ah, il aime bien les carnaux, lui. Enfin, on n'a pas de carnaux, c'est dommage. Et du coup, on a fini toutes les recherches dispo actuellement. 7 sur 20, bien net. Bah, en plus, on a tout déverrouillé. Ah, nouveau pôle. Ouais, mais ça, on peut pas. Ça va être. Empêche des dinosaures atteints par la maladie pré-infectés de se battre pendant 150 secondes. Oh, ça va être galère. Mais il n'y a pas un nouveau pôle. Hein. Pour moi, c'est bon. Du coup, l'expédition va se terminer. Ils vont arriver là. Alors. Erezazar. 3 captures. Oui, 3 captures. Salut les gars. Salut, salut les gars. Comment que ça va? Ils aiment les compis. Mais ils aiment personne d'autre. Alors du coup, la bagnole. Qu'est-ce que tu fous chez les eux? T'es pas demandé d'aller chez eux. Je galère. Oh. Non, toujours pas. Bon, au moins on. Ah.
pourrais te mettre une belle et grande forêt. Voilà. Par contre, maladie. Kekta. Les trois ils l'ont. Donc déjà on sait que c'est pas un truc. Scan médical. Mais t'as pas fait ton. Mais. On sait pas que l'autre est malade, mais t'es bête ou t'es bête? Ah oui, salut le BM. Blessure. Quoi? Les trois sont blessés. Ma gueule. Ah. Bah si, le jeu se diffuse pourtant. Du coup. Donc lui il a une petite fracture. Traitement dismé, on va bien même appliquer le traitement. Donc on va envoyer un EVM appliquer le traitement. Ensuite l'autre. L'autre aussi a une petite fracture. Et comment qu'ils se sont fait tous des fractures quoi? Et les trois ont une petite fracture? Ah oui, ils ont tous des petites fractures. Bah écoute, pourquoi je vais être aussi moche? Je sais pas si c'est normal. Pourquoi il est en 360p? Bon, c'est bizarre, mais du coup, c'est en 360p. Me demandez pas pourquoi. Panique, mais au moins ils ont tous été soignés. Du coup, là maintenant, il nous manque que les cryophosaures à satisfaire tout en rajoutant juste de la forêt que je leur avais supprimée en grosse quantité pour aller plus vite. 94, 99, 100. Nickel. Donc, vitesse. Et normalement, la campagne est terminée. Ah, j'ai oublié de choper les azores. Bon, tant pis. Est-ce qu'ils se sont appropriés le territoire des trois zigotos là? Ouais. Ils sont beaux. Qu'est-ce qu'il fait à choper une chèvre? Et pourquoi lui qui gueule là-bas? Nouvelle. Même sur les îles, nous n'avons jamais rien créé de si. De si. De si parfait. Enfin, compte tenu du fait que nous ne pourrons jamais laisser les dinosaures vivre leur vie en liberté, on ne pourrait pas faire mieux. Oui. On devrait s'en réjouir. Mais c'est vraiment le cas? Tu peux faire plus trop, effectivement. Ok, quelque chose te préoccupe et... C'est vrai que je joue beaucoup moins qu'avant. Alors, sans électricité. Mais tu te fous de moi, la moitié du parc a plus d'électricité. Ce n'est pas leur dernière destination. Pas vrai? Non. Bien sûr que non. C'est impossible. C'est trop dangereux de les garder si près de la civilisation. Où qu'ils aillent, on les suit. Tu le penses vraiment, Owen? Tu sais ce que ça veut dire? On forme une équipe. Je te connais, Claire. Tu ne leur tourneras jamais le dos. D'ailleurs, ce serait une très mauvaise idée. Fais jamais ça, hein. Et moi, je peux pas le faire non plus. Ces animaux font partie de notre avenir. Et pas seulement du nôtre, celui de chacun d'entre nous. Le monde va devoir s'accommoder de leur retour. Oui. Oui. Si nous ne préparons pas notre planète à les accueillir, ils nous chasseront, nous. Ouais, c'est vrai que... C'est vrai que je suis à 158, ça augmente. Mission terminée, Californie. Et je crois que du coup, on en a fini la campagne. Je suis pas sûr, mais... Ah, Yosemite. Dans la langue de la tribu des Miwok, ça signifie « vallée des tueurs ». Ça tombe bien, non? Les gros dinos mangent les petits, les proies et les prédateurs optimisent constamment leur taille, leur apparence, leur force, leur vue, leur agilité. Leur cerveau évolue toujours plus dans le seul but de permettre leur survie. L'évolution est une course aux armements perpétuels. La vie est ainsi faite. Le changement en fait partie.
Et à présent, les dinosaures sont de retour dans la vallée des tueurs. La question n'est pas de savoir s'ils y sont chez eux. La réponse est évidente. Non, non, la vraie question c'est... y resteront-ils ? Très belle cinématique, et ouais, c'est cool pour toi aussi, effectivement, c'est à monter. Le changement est comme la mort, vous ne savez pas à quoi ça ressemble tant que vous n'êtes pas aux portes. Oui, c'est oui. Effectivement, oui. Je me souvenais pas qu'il avait dit ça, lui. Bon, du coup. Félicitations, tu as terminé le mode campagne. J'espère qu'il continue, qu'il y aura une suite au mode campagne, peut-être dans une mise à jour. Ce serait que c'est assez court, on l'a fini assez rapidement. Si tu sais, théorie du chaos Jurassic Park, assiste le docteur Hammond dans la construction de son Jurassic Park de rêve, tout en apprenant les bases de la création d'un parc rentable et sécurisé qui plaira à tous les visiteurs. Et bien ça, ce sera au prochain live. Du coup, je vais juste vérifier combien de temps on a mis pour finir la campagne. 13h52, c'est... il est 13h55, ouais. On a mis à peu près 4h50. Quasiment 5h pour terminer la campagne. C'est acceptable. Pourquoi là il n'y a pas de taille? Ah oui, c'est la sauvegarde auto. Oui, c'est sympathique. Bon, du coup, il y a la théorie du chaos. Attendez, je vais juste observer quelque chose. Voilà, il y a tous les films. On doit refaire tous les films. Donc je pense qu'on les fera dans cet ordre-là. Hein, Jurassic Park, puis Lost World, puis Park 3, puis World et World et Fallen Kingdom. Alors du coup, joins-toi à John Hammond pour faire de Jurassic Park une réalité. Ne répète pas les erreurs qu'il a commises dans le film, il est tout à fait possible d'y parvenir. Reconstruit ce qu'aurait dû être Jurassic Park San Diego, laissé à l'abandon par Draymond qui avait une plus grande vision du Jurassic Park. Ingen est de retour pour bâtir un parc qui divertira le monde entier. Rends-toi et s'en aille, capture les dinosaures requis par Simon Mazrani pour lancer la construction de Jurassic World. Oh. Rends-toi à Simon Mazrani pour construire Jurassic World. Sauras-tu réussir là où Jurassic Park a échoué? Ne va pas trop jouer les apprentis sorciers. Retourne dans les ruines de Jurassic World à Isla Nublar, le Mont Cibo est en sommeil, aide Claire et le DPG à leur rendre leur liberté. Et bien ce sera les scénarios que nous ferons dans les prochains lives, à commencer par Jurassic Park. Ensuite il y a le mode défi qui m'intéresse pour débloquer tu vois déjà les gènes d'apparence. Mais surtout... surtout, voilà, donc ensuite... attends... Note de parc cumulative de 3 étoiles, tous les défis confondus. Ouais, d'accord, d'accord. Et donc ensuite, en fait, c'est tout simplement pour débloquer d'autres maps ici, parce qu'actuellement... Voilà. Donc faudra faire théorie du chaos Jurassic World pour débloquer l'île intéressante, donc celle-ci. Après, faudra faire... du coup, là, ça sort en acide B, donc il faudra terminer la théorie du chaos. En fait, il faut terminer toutes les théories du chaos sauf la dernière, et après, par contre, il va falloir faire le mode défi. Le mode défi qu'on fera peut-être, mais je suis pas sûr. Parce que franchement, moi, je vais juste essayer de débloquer ça. Et pour ça, Issa Nublar 1993, c'est pas le même Issa Nublar que celui-là. Ouais. Donc, cible, ça va être ça. Mais pour ça, il faudra faire. Non. Pour ça, il faudra aller en théorie du chaos. Écoutez, du coup, moi je pense que c'est bon la campagne, hein, 100%. L'appartement de pêche de la nature pour assurer le contrôle, la protection et le confinement des dinosaures sauvages qui sèment des envahisseurs aux États-Unis. C'est que aux États-Unis. Plonge dans le monde de Jurassic World pour vivre. Ouais, bon, ça j'ai pas trop besoin de dire. Est-ce que je peux recliquer dessus? Non, pas la théorie du chaos, genre la campagne. Non. Attendez, si. Ouais, si je retourne sur la campagne, qu'est-ce que ça va faire? Ça, c'est la question que je me pose. Est-ce que ça va faire quelque chose? Je sauvegarderai pas, bien évidemment, mais c'est juste pour voir. Donc là, on a re-accès au parc. Même sur les îles, nous n'avons jamais rien créé de si
Ah non. De si parfait. Enfin, compte tenu du fait que nous ne pourrons jamais laisser les dinosaures vivre leur vie. Ok, d'accord. Donc en fait, je les accompagne, j'ai plus accès. Très bien. J'ai juste voir un peu toutes ces espèces au final qu'on a débloquées dans le bac à sable pour voir un peu combien on en a. Donc pour ça, faudra build 2-3 bâtiments sur un bac à sable que je supprimerai après. Et du coup, ouais, je veux bien voir ce que ça donne. Créatif. Créatif. Non, je veux juste voir Persova. Pas aucune météo, échec de la synthèse, non. Fréquence des maladies, aucune. Les dinosaures n'ont pas faim. Et les dinosaures n'ont pas soif, non. Carnivore uniquement. Espérance de vie des dinosaures, illimitée. Évasion des dinosaures, aucune évasion. Confort des dinos, non. Les herbivores lancent des combats, non. Agressivité des dinosaures, non. Électricité limitée, oui. Carburant infini, oui. Véhicule indestructible, oui. Difficulté, risque de sabotage, non. Trésorerie illimitée. Difficulté de l'attrait. Je sais pas ce que c'est, je vais mettre facile, facile. Facile, pas de contrat. Événement narratif, oui. Contrariété du personnel, non. Et on commence. Cette montagne canadienne est aussi pittoresque que le parc enchanteur que tu t'apprêtes à y construire en mode bac à sable. Ah, on a Jurassic Park naturel, on a tout colmaté. Les trous du génome avec l'ADN d'Otaimo, il est vrai que si leur code génétique était pur, beaucoup auraient un aspect différent, mais vous ne vouliez pas de véridique, vous vouliez plus de dents. Au hasard, moi je pense aux raptors, hein, clairement, qui ne sont pas du tout réalistes. Bon, du coup, c'est petit. C'est petit, c'est petit. Je vais faire une couveuse, voilà. Je vais y faire. Je vais faire juste 4-5 enclos pour toutes les espèces qu'on a, ça va aller très vite. Voilà, des petits enclos, leur confort de toute façon on l'a annulé. S'ils crèvent, ils crèvent, tant pis. On fera des ponts aériens, des trucs comme ça. Et il me semble qu'il nous faut 3 volières. J'ai dit 3 volières, voilà. Bon, tant pis, celle-ci fera 2 volières. On verra qui sera chouchou. Il va me falloir aussi un lieu d'arrivée. C'est vraiment. C'est pas du tout pas créatif que définitif. Hein. Là, je le redis. C'est juste pour voir toutes les espèces qu'on a chopées en mode campagne. Et je pense quand même qu'il y a quelques espèces. Hein, combien ça je ne sais pas, mais je pense quand même qu'on en a quelques-unes. On sait déjà qu'il y a 3 volantes entre autres et c'est déjà ça hein. 3 volants en mode campagne, c'est déjà pas mal. Dommage qu'on ait pas vu les aquatiques. 4 enclos ce sera clairement pas suffisant. On va en faire d'autres, tant pis s'il n'y a pas de bouffe ni d'eau. Enfin, l'eau c'est peut-être plus chiant parce que là ils peuvent vraiment crever. Les carnivores de toute façon ils ont pas besoin de manger. Par contre, les herbivores, ouais, j'essaie de mettre des noix au ras du sol et compagnie. Mais pour commencer, créer plus d'enclos, parce que sinon, ça va pas le faire. Ici, je peux en faire un. En fait, je peux pas trop en faire un, mais c'est pas grave. Hop. Et ici aussi, voilà. S'il y a des espèces qui crèvent, tant pis pour elles. Voilà. Bon, du coup, on va commencer par un albertosaure. Ah, c'est vrai qu'il faut des scientifiques. J'avais oublié ça. J'avais oublié les scientifiques. Oui, les scientifiques. Ça, c'est un truc chiant. Qu'on devait pas avoir à faire dans le 1, c'est ce bâtiment pour pouvoir créer des dinos. Bon, on va voir le parc, hein. De toute façon ça sert à rien. Sinon, on peut quand même faire. Ouais, donc. Ah, on a énoncé Radactivus, Geostern, Benjia, Mara, Dactivus et Tapejara. Ok, on a les noms quand même, c'est bien. Ouais. Il va nous faire au moins 6 gars.
faudra faire un centre de RH. Du coup, il va nous falloir des gros chiffres un peu partout. Toi, tu me parais bien, vas-y. C'est en logistique, non, c'est génétique bien-être qu'il faut. Donc, toi, tu vas être bien. Bien-être, toi. Et on va reprendre un fort en bien-être, toi. Ensuite, aucun centre d'RH, oui, donc il faut quand même faire un centre de RH. Ça, c'est chiant, c'est qu'il faudra obligatoirement au moins mettre 2-3 bâtiments pour avoir des dinos. Ce qui est dommage. Hein. Créatif, ils auraient pu retirer ça. Je vais aller en plus rapide, comme ça sera fait. Et si je mets un deuxième centre de ressources humaines, est-ce que je peux avoir plus de scientifiques encore? Parce qu'au final, il va nous en falloir plus que ce que je pensais. On va faire des tests, hein, écoutez. On verra bien ce que ça donne. Donc, toi. Bon, on va mettre quand même un point en logistique, même si on n'en a pas besoin. Toi, c'est au cas où que je me serais gouré. Pas mal d'avoir quand même de la logistique génétique. Ouais, ce sera pas mal d'avoir un tout petit peu de logistique, hein, vraiment un tout petit peu. Mais ça prend pas de mal. Scientifique génétique, toi. Et attends, j'ai combien de forts en génétique là? J'en ai un. Et deux. Donc, ouais, il faut de la génétique, je pense, à plus que de la logistique. Enfin, pas de logistique plutôt que du bien-être. 7, 7, 8, 7, 6, 3, 3. Ouais. Il faut de la génétique plutôt. Donc, génétique. Ah, si après on peut avoir un combo génétique-bien-être. Pas trop dégueu. Ah, ça va être toi. Et puis, comme ça, voilà. Tu seras full. Nickel. Donc, avoir deux centres de RH. J'allais dire n'influence rien, mais c'est parce qu'il était pas build. Deux centres de RH nous permet d'avoir des nouveaux gars. Génétique. Il faudrait un truc équilibré. Vous avez ça en stock, un truc équilibré, ben toi. Voilà. On va mettre tous ces points là, voilà. Là, puis on va te mettre deux points ici. Hop. Et 600 bien-être, ouais, 5-5, ce sera toujours ça de prix. Bonjour, toi, bienvenue parmi nous. Puis du coup, je te mets tes points là parce que, ouais, comme ça, on a un jeu de génétique. Nickel! Donc, on va commencer par foutre un toit. Pour un toit, il faut 10 en génétique. Bah, vous deux, allez-y. Ensuite, on va prendre. Faut que je regarde. Acrocanthosaur, Carcharodontosaur, Camagra, Carnetamimus, Apatosaur, Amagrasaur, il n'y était pas, Ceratosaur, Shunkingosaur, Coelophysis, c'est lui qui n'y était pas et pas le compi, donc je vais inverser les deux. Coetosaur, Imontosaur, Dryosaur, Dragnotus, lui, je suis Crictonzor, je suis pas sûr qu'il y était. Ah, c'est Gigano celui-là. Moi, je vais voir celui que j'ai pas réussi à reconnaître. Le Majungazor, bah si, lui, il y était. Majungazor y était. Kianzugozorus. Kianzuzorus. Dur à prononcer celui-là. Hein. Du coup, on a dit un Nazor. Donc lui, il lui faut 11. On va lui mettre de là. Voilà. Ensuite, toi, volière. Première volière, on va mettre des dimorphes. 7, voilà. Ensuite, seconde volière, on va y mettre des. Ptera. Puis, troisième volière, on va y foutre un lui. Bah, on va pas lui foutre un lui parce qu'on n'a pas assez de scientifiques. Par contre, si on peut mettre 14 centres de ressources humaines, je le ferai, hein, je pense. Donc, ouais. Donc, voilà. Alors, couvée dimorphodon. On va pouvoir voir notre dimorphe. Toi, parce que voilà, j'ai décidé que ce serait toi et pas lui. Voilà,
C'est bon. Il faut 6. Toi. Voilà, tu t'occupes d'eux. Moi, je vais voir, à mon avis, c'est eux qu'on finit. Non, les Ptera. Les Ptera, c'est là. Ptera, toi. Il faut 8. Bah, toi. Et. Bévid, faut que je mette lui. Et du coup, ici, Albertosaur, ils ont tous un souci, mais lui a moins de soucis. Voilà. Il faut 10. Wow. Hop, et toi, bah toi, t'as pas de soucis, donc c'est nickel. Par contre, il faut 11. Pas assez de personnel. On va refoutre un centre de RH. Mon parc, ça va être centre de RH Land. Je vais voir s'il n'y a pas moyen de... On va avoir 3 centres de RH. Ça va être, moi je voudrais 6 bien-être. 6 bien-être, mais qu'il soit pas non plus un scientifique trop dégueu. 5-5, allez, ça ira. De toute façon, là qu'on ait beaucoup de scientifiques, c'est nickel. Et puis on va te mettre 2 points en logistique. T'es forte en logistique, toi. Augmente le potentiel de 5, les compétences de 3. Oh putain, 10 en génétique, bah bienvenue. Bienvenue, je sais que c'est pas toi qu'il faut, mais je m'en fous. T'as 10 en génétique. Ah oui, par contre, t'as que 4 en bien-être. Bon, tant pis. Il y a 10 en génétique, c'est ce qu'il faut. Trophée obtenu, c'est quoi le trophée? Attends, je regarde le trophée quand même. Je regarde le trophée. Vous n'entendez que mon micro, c'est tout à fait normal. Quel est ce trophée? Trophée masqué. Nickel. Ah, atteinte de niveau 10 en génétique avec un membre du personnel. J'ai 10 en génétique et en bien-être. Ok. Donc je suis relâ. Du coup, eux ils ont éclos. Non, par contre, Etropéo. Bah, il y en a qu'un, donc voilà, toi. 9 points. On va mettre. Bonjour. Je suis Claire. Donc logiquement, il a pas faim. Je suis passionné par les dinosaures. Et par l'obligation par contre, que nous avons de prendre soin d'eux. On va leur foutre quand même de l'eau pour pas qu'ils crèvent. Dedans. Et ils volent. Enfin, plus exactement, ils planent. Ah, ils volent pas, le dimorphe. Il est très joli. Ensuite, faut augmenter la vitesse, encore une fois. Faut que je balance un scientifique pour l'allosaure. Toi. Voilà, on balance 3 scientifiques pour un allosaure. Tout va bien. Du coup, les carnivores, eux, ont juste besoin d'eau. Donc, on va les foutre là. On va foutre de l'eau. Hop. Voilà. De toute façon, normalement, ils sont en confort 100. Oui, il va à confort 100. Pourtant, il n'y a rien qui va dans son enclos. Ah, alors, souci des volants. C'est qu'ils sont un peu buggés. Bon, pas lui. Mais il y en a qui restent... en planant. J'ai le cas sur que sur Eptera pour l'instant, mais ils restent, ils bougent pas. Et on peut rien y faire, ils perdent leur endurance, mais ils volent quand même. Et il est bien fait. Moi je l'aime bien. Les prochains, ça va être eux. Oui, ça va être eux. Donc, l'Eptera. Autre dino de la campagne. Très joli également. Il est magnifique. Très très beau. Très 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 beau. Et ensuite, on va voir qui est prêt. Alberto. Ah, maintenant c'est L3. Ok. Albertosaur. Albertosaur. Le voici. Oups. C'est pas ce que je voulais. C'est pas ce que je vais faire. J'ai pas le bâtiment pour le gérer. On a un problème. Centre d'action. Oui, bah centre d'action, brouille-toi. L'Albertosaurus, ainsi nommé. Allez, on se dépêche. Alors, dépêche-toi de te build. Parce que du coup, là, c'est un problème, toi, si tu...
Si tu sors comme ça, moi je voulais te balancer, je voulais pas te voir ton animation de sortie, t'es où? T'es là. Tu vas très vite, des menaces de dino, bah oui. Bah forcément, mais qu'est-ce qu'il fout là aussi? Et mon bâtiment qui veut bien, voilà. Va le mettre KO. Du coup, on a les Tropéos qui va arriver. Tropéo, voici le Tropéo. Très beau dino aussi. Enfin, très beau reptile volant, pardon. Le Tropeognathus est l'un des plus grands ptérosaures connus pour son museau en forme de quille. Il devait faire une sacrée impression au bowling. Des quilles? Ouais. Oui, il est très joli. Moi, je l'aime bien celui-là. C'est pour ça qu'il a une grande volière plutôt que les autres qui ont des tout petits trucs. Tout petit rikiki. Bon, sinon, lui, il dort. Et l'allosaure est prêt à sortir. Donc, toi, tu vas dans cet enclos-là. Et l'allosaure, du coup. Je me suis encore grouillé. Va le mettre KO. Je suis le docteur Kajal Dua. Vous surveillez les dinosaures, et moi, je vous surveille. Ankylosaure, vas-y, on va le voir. Et tous Baryonyx, un autre qu'on a déverrouillé précieux, dans la campagne. Mais certains sont réellement fascinants. C'est le cas de du coup, l'allosaure. lui, on estime que dans son qui habitat sait pourquoi d'origine, il j'ai pas était au pensé au sommet de la bouton chaîne alimentaire. faire attention quand on le sort. Je suis curieuse de savoir si la chance se présente, si c'est vraiment le cas. Voilà. La cible doit être évacuée. Ensuite, on va foutre de l'eau sur. Alors par contre, ouais, là on va avoir un herbivore. L'enclos est vachement grand celui-là. Hein. Il y a moyen de cut en deux. Il y a moyen de cut en deux. Oui, c'est des petits enclos de base et les dinos sont clairement pas en confort dedans. Hein. Bon, il est satisfait. Il n'y a rien qui va, mais il est satisfait. Ankylo. L'ankylo, du coup, bah, il n'y a qu'un œuf. 5, 5, 10, voilà, vas-y. Et Baryonyx, cet œuf-là ira très bien. Paf, paf, voilà. Moi, je veux juste voir, voilà, l'allosaure. Très joli, hein. Très, très joli. Les bras, je sais pas si les bras... Ouais, si les bras ont l'air d'être bien, bien placés. Pour lui aussi. Ouais, lui il a pas. Je sais pas si ils ont les bras en supination. Je sais pas. Je pense que oui. Je pense que oui, je pense que oui. D'ailleurs, toi, je vais te couper des vivres. Littéralement. Je peux couper l'autre. C'est pas ce que je voulais faire. Mais, bah, bienvenue chez toi. T'es plus petit maintenant. Du coup. Lui, ah voilà, transféré par pont aérien. Donc cette fois-ci, on n'aura pas de problème. Tu vas te mettre là. Donc autre dino déverrouillé dans la campagne, le Baryonyx, le Brachiosaur. Alors lui, ça va être coton à sortir. Il va être très long à mon avis. Ah, pas tant que ça. Attention. Oh. À quoi bon ressusciter des dinosaures si l'on est incapable de les rendre ludiques, captivants et surtout rentables? Et c'est là qu'intervient Isaac. Depuis quand vous ne voyez rien? Il s'occupe du spectacle et je m'occupe des affaires. Si tu sors comme ça, moi je voudrais te balancer. Un Baryonyx, c'est extraordinaire. Ces dinosaures ont de très grandes ah. griffes sur leurs premiers doigts. Vous voyez rien depuis le premier carnivore, merde. Donc, bah du coup, on va stopper le live là parce que ça bug. Je vais tout sortir, je vous montrerai ça en début du prochain. Donc, sur ce, c'était un mort de présence. Sur une prochaine vidéo, en prochain, en espérant que ce soit au moins un bug avec là. Allez, bye tout le monde, n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner, hein, vous connaissez la chanson. Allez, au revoir.